travaillaient souvent ensemble. Il était très connu parce qu'il s'occupait de la, il travaillait à la cafétéria du Machon Lev. Donc aussi bien dans le milieu israélien et français, tout le monde le connaissait parce que tout le monde achetait chez lui. Toujours un sourire aux lèvres, toujours gentil, une famille extraordinaire. Eh bien, nous allons maintenant terminer cette heure d'actualité, même cette semaine d'actualité, en essayant de nous rappeler du souvenir d'une personne qui nous a marqué, qui nous a quitté il y a 20 ans. Il s'agit de Moshe Dayan, Moshe Dayan qui a été tué lors d'un terrible attentat. Et tous ceux qui ont vécu à Jérusalem et en Israël à cette époque se souviennent de ce terrible attentat au bas de la rue Ben Yehuda à Jérusalem, un samedi soir, au cours d'un triple attentat qui avait été commis par les terroristes palestiniens. Moshe Dayan était à l'époque élève du Machon Lev et nous sommes en ligne en Zoom avec le Rav Shraga Dayan. Rav Shraga Dayan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour, bonjour. Et nous sommes également avec Rudy Garcin. Rudy qui était élève au Machon Lev, un ami de Moshe Dayan. Boker Tov également. Alors, ensemble, je voudrais que l'on essaye de se rappeler à la fois de ce terrible samedi soir et que l'on évoque le souvenir de Moshe, qui, Zichrono Livracha, qui nous a quittés il y a 20 ans, très exactement, avant de parler de la paracha de la semaine, comme nous le faisons et nous le ferons cette semaine, donc à la mémoire de Moshe Dayan, Zichrono Livracha. Je voudrais d'abord que l'on parle avec Rudy. Rudy, vous étiez avec Moshe ce soir-là, à Ben Yehuda, une soirée apparemment normale, même si, il faut le rappeler, on était en plein cœur de cette seconde intifada. D'ailleurs, je m'excuse un petit peu parce que j'ai pas du tout l'habitude de parler de ça. Le Rav Shraga, il est venu, il m'a dit que ça ferait plaisir à la famille pour les 20 ans, mais excusez-moi pour la difficulté. Exactement, ça s'est passé un motzé Shabbat. Et Moshe, c'était vraiment une personne extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il ne choisit pas Stam pour rien, les Neshamot. Et on est sorti un groupe de copains. On était rentré d'un Shabbat organisé par le CNEF. Et je l'avais appelé, je lui ai dit, viens nous rejoindre. On était un groupe de copains. Il est venu nous rejoindre le soir sur Ben Yehuda. Et on était assis à côté au café Rimon quand ça s'est passé. Et voilà, il y a quelqu'un. Le Mechabel, il est venu derrière nous. Karabashéka. On était tous assis à une table. Et il y a eu cette explosion. On était sept à cette table. On était quatre de dos. Il était assis juste à ma gauche. J'avais un autre ami à côté de moi, Yochai. Une autre amie, Sabrina, elle s'appelait. Et il y en a trois sur quatre qui ont été blessés. Les gens qui étaient en face de nous de la rangée, ils n'ont pas été touchés directement. Et effectivement, quand il y a eu le pigouin, là, on se rappelle pas de tout, effectivement, parce que c'était très fort l'explosion. Bon, quand je me suis réveillé, j'ai vu ce qui s'est passé, il était par terre, les ambulances étaient déjà là, j'avais perdu connaissance. Et oui. Alors, Rav Shraga Dayan, vous souvenez aussi, bien entendu, de cette soirée, de cette terrible soirée. Vous étiez à l'époque le responsable de l'organisation des étudiants, de l'association des étudiants du Machon Lev. Vous étudiez Moshe. Rappelez-vous ce qui s'était passé. En fait, moi, j'habitais vraiment à côté de l'hôpital de Shaaret Tzedek. J'étais volontaire là-bas pendant presque 18 ans. Et ce soir-là, je suis descendu à l'hôpital. Comme chaque fois qu'il y avait des événements, ces années-là, c'était malheureusement très courant. Et un des premières ambulances qui sont arrivées, et c'était une ambulance avec plein d'amis du Machon, plein de Français du Machon. Ils étaient, excusez-moi sur le mot, mais presque encastrés dans l'ambulance. Et ils ont commencé à descendre. Chacun qui descend, et il me dit, oui, Moshe, Moshe, Moshe. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il a été blessé très gravement, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Et on s'est occupé d'eux, ils sont rentrés à l'hôpital. Et voilà. Et plus tard, dans la soirée, il y a les parents de Moshe qui sont arrivés avec sa fiancée. Et ils sont venus chercher Moshe. Et comme moi, je savais déjà que tout le monde disait qu'il a été blessé, ou blessé grave, ou que. C'est pas sûr qu'il est encore entre nous, parmi nous.
Alors, je ne savais pas comment dire aux parents que c'est pas évident. On a quand même essayé de chercher, on avait quand même l'espoir. On a appelé tous les hôpitaux, on a continué la soirée et on a continué la soirée là-bas. D'un côté, on faisait notre travail pour aider les gens, donner soin et faire ce qu'on avait à faire. De l'autre côté, on avait le cœur qui priait. On s'arrêtait pour faire des télims, pour renforcer la famille. Et après, on a continué en fait la nuit avec la famille. On est arrivé le matin tôt. Alors, on est arrivé à Abou Kabir, l'endroit où se passe L'Institut médico-légal. voilà, pour identifier les gens. Et pratiquement et juridiquement, on peut dire. Et voilà, c'est à la fin de cette horrible soirée, on peut dire. Et les parents de mon chéri, je les ai amenés chez eux à la maison pour annoncer à leur famille que, en sachant que pour l'instant, mon chéri, il n'est pas avec nous et reviendra se montrer à Tamitim. Et voilà, c'était terrible. C'était arrivé chez une famille que, voilà, ils étaient en train de préparer le mariage plusieurs mois après et tout va bien et tout d'un coup, tout s'arrête. Et depuis ce jour-là, ça fait 20 ans, quand on suit de près et de proche la famille d'An. Et voilà, ça c'est en grande histoire. Après, voilà. Alors, je voudrais que l'on parle maintenant de Moshe. Qui était-il, Moshe Dayan, qui a laissé un souvenir aussi impérissable, aussi net, aussi profond dans beaucoup de chez beaucoup de jeunes, de ceux qui étaient à l'époque étudiants, des francophones, mais bien au-delà, un souvenir aussi marquant. Qui était-il pour avoir autant marqué, on va dire, ce groupe de jeunes, cet environnement estudiantin à Jérusalem? Rudy. Déjà, c'était comme beaucoup d'entre nous, un jeune garçon qui avait fait la Aliya. Il avait fait son service militaire dans le Nahal. Et ensuite, il avait commencé des études. On travaillait souvent ensemble. Et en plus de ça, il était très connu parce qu'il s'occupait de la. Il travaillait à la cafétéria du Machon Lev. Donc, aussi bien dans le milieu israélien et français, tout le monde le connaissait parce que tout le monde achetait chez lui. Et toujours un sourire aux lèvres, toujours gentil. Il adorait sa famille. Quand nous, on était déjà, mes parents étaient en France à cette époque-là. J'ai déjà fait plusieurs fois des Shabbats chez eux à la maison. Ses parents, ils nous recevaient. Une famille extraordinaire. C'était ce que l'on appelle un idéaliste qui était monté en Israël avec, on va dire, la Emouna, la foi, la volonté véritablement de s'installer sur place, de s'installer ici, de vivre pleinement cette vie qu'offrait l'État d'Israël. Exactement. J'avais les deux chapeaux, le chapeau du volontaire à l'hôpital cette nuit-là, qui m'a permis de suivre tous les amis du Machon qui ont été touchés et surtout Moshe Dan, Zichrono Livracha, Hashem Yikom Damo. Mais aussi l'autre job que j'avais en fait au Machon, à part d'être étudiant et enseignant là-bas, j'étais aussi chef-roche des étudiants. Et Abed Moshe est venu chez moi quelques mois auparavant. Il m'a dit, j'ai besoin que tu m'aides, voilà, pour que je puisse continuer mes études de Kodesh, les études de Chol ensemble. Et j'ai besoin que tu me trouves une solution pour améliorer mon côté financier, on peut dire comme ça. Et là, on lui a trouvé le travail au cafétéria. Et ça lui plaisait énormément, parce que comme il a dit, Rudy, tout d'un coup, ça lui a permis à établir et à renforcer ses contacts avec les gens. Et comme il a dit, il était très, très aimé. C'était quelqu'un de très, avec beaucoup de vitalité, avec des connexions à son entourage. Et c'est pas pour rien que après l'attentat, avec ses amis, on a réussi à faire plusieurs choses très, très importantes. D'abord, il y a Sefer Torah qui est rentré, qu'on a fait rentrer au Maroc, qu'on a fait rentrer au Maroc. Et les rabbinim harachiyim de l'époque étaient très, très touchés de cette histoire. C'était un bachour qui est arrivé avant ses parents, qui est arrivé ici, ses parents sont venus après lui. Il avait vraiment la mesirut nefesh pour Eretz Israël, pour Am Israël, pour Torah Israël. Et je me rappelle Gab le Rav Amar, et Gab le Rav Bakshi Doron, Zichrono Livracha. Ils étaient tous là et présents. On a inauguré un mikvé à sa mémoire, qui est au Machon Lev. Et quelque chose d'extraordinaire, c'était, je me rappelle, qu'on a inauguré le mikvé. C'était pour le 1 an de
sa mort. Et quand on a inauguré le mikvé, c'était un hiver qui était sec. Et l'hiver avant aussi était sec. Et on a des photos que le soir de l'inauguration du mikvé, on ne savait pas comment remplir le mikvé. Au milieu de la soirée, la pluie a commencé à tomber. Et le mikvé s'est rempli par un seul événement de pluie. Ça veut dire, on voit qu'il y avait la bracha dans toutes ces choses-là, qu'il avait des grands mérites. Et aujourd'hui, aussi, Akher Emilgot pour aider les étudiants français qui étudient au Mokhon Lev et qui étudient l'Imoud et Kodesh. Tout ce qui suit l'image et le chemin qu'il a pris. Et pour nous, c'est très émouvant de pouvoir parler de lui 20 ans après. Et je crois que c'est un grand sroute à rappeler sa mémoire. Et on dit aussi, j'ai dit, maman, je lui suppliais de parler. Elle m'a dit, j'ai jamais parlé de ça. Comme vous avez vu, il est très bloqué. Peut-être qu'il va encore se débloquer encore plus avec nous maintenant. Mais je lui dis, c'est très important de partager cette histoire de Monsieur Outnefesh. Parce qu'on dit que ceux qui sont partis à Kiddush Hashem, Nchum Biria, chez Cholala Amod Bemechitzatam, ils sont dans un endroit très, très, très élevé. Et on a eu le grand mérite de les connaître de proche. Voilà. Rudy, aujourd'hui, justement, cette période, je suppose, chaque année, vous souvenez, vous, avec vos amis, à la fois de Moshe, à la fois de cette terrible attentat, de cette terrible soirée. Vous savez, il y a quelque chose que, malheureusement, c'est ce qu'on appelle une Mishpachot Shkoulot en Israël. C'est pas chaque année. Moi, c'est un ami proche, donc je veux même pas imaginer ce qu'elle subit, la famille. C'est quelque chose qu'on peut pas oublier. Ça reste à vie, c'est pas quelque chose qu'on pense chaque année. C'est un souvenir avec lequel on vit tout le temps. Donc j'imagine que c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur pour la famille. C'est cicatrice, c'est une perte d'un être cher, ça s'oublie pas. C'est quelque chose de spécial. On comprend mieux le TKS après qu'ils font en Israël, Yom HaZikaron. Ça a une autre portée. C'est quelque chose de très fort. C'est le raton de la Kadosh Baruch Hu, comme ça il veut, mais. C'est dur d'oublier. Alors, on n'oublie pas et je voudrais, Rav Shragadan, et je précise qu'il n'y a pas de lien d'ailleurs hein, familial entre vous et la famille de Moshe. Je voudrais que nous terminions cette discussion par un Dvar Torah, comme nous le faisons chaque vendredi avant de nous projeter vers le Shabbat, sur un Dvar Torah sur la paracha de la semaine, cette paracha de Vaishlach avec Yaakov qui revient en Eretz Israël après 20 ans passés au service de Lavan avec tous les biens. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette paracha de toujours très importante, comme toutes les parachiotes du Sefer Bereshit? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette paracha, et comment peut-on la lier d'une certaine manière au souvenir de Moshe? Alors, dans le paracha de Vaishlach, une des choses qui est intéressante, c'est la fameuse phrase que Yaakov dit à Esav, il dit « Im Lavan garti ». J'ai habité chez Lavan. Et Rashi, il amène deux explications. Qu'est-ce que ça veut dire « j'ai habité garti » Il y a deux mots qui sont cachés dans ce mot « garti ». Il y a « guerre ». « Guerre », ça veut dire « j'étais habitant temporaire ». Et deuxième explication, dans le mot « garti », il y a les lettres « tariag », ce qui signifie les 613 mitzvot. Et Rashi, il dit « j'ai habité chez Lavan ». C'était un truand, c'était un… Voilà, et malgré tout, c'était un rachat, et malgré tout, j'ai réussi à conserver tous les tariag mitzvot, et j'avais la croyance dans tous les tariag mitzvot, et ça, c'est une force, de pouvoir affronter la vie et le monde matériel sans user notre âme, sans user notre dignité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que Yaakov nous a appris. Et on est dans une semaine très importante. À part que, d'abord, c'est Motzei Shabbat. On va faire une azkara pour Moshe Dahan. D'ailleurs, j'invite le public qui nous entend. Et ça va être au Mokhon Lev. On va faire une conférence sur les liens entre l'Halakha et la technologie. Et ça va être au Mokhon Lev à 8h du soir. Mais cette semaine aussi, il y a Yutet Kislev. C'est le jour de la disparition du Rav Neria, qui était un Rav très, très important. Et comme tout le monde sait, ce Yutet Kislev, c'est une fête très importante chez les Chassidim, chez Chabad. C'est aussi le jour de la disparition du Magid Mezritch, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Un des jours, le Baal Shem Tov dit à un de ses élèves, va passer un grand bonjour de ma part
au Maguid du Mezritch. L'élève était tout content. Il a dit, voilà, je vais aller voir un grand rav, un grand maître. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Il devait avoir une grande maison, peut-être un château. Il arrive chez lui, il voit une maison toute simple, dans une petite ruelle pleine de boue. Il tape à la porte pour passer le bonjour. Il voit une maison qui est pas convenable à un rabbin tellement important comme le Maguid du Mezritch. Le soir, il revient, il voit que même la table qui était là-bas, au milieu de la maison, elle n'est plus là, parce que c'était une table puante qui devenait une lille la nuit. Alors, il a dit au Rav, d'accord, vous n'avez pas beaucoup d'argent, moi aussi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais dans la maison, on investit un peu plus. Quand on a une maison fixe, là-bas, on investit plus. Alors, le Maguid du Mezritch lui a dit, vous avez raison, dans ma maison fixe, je vais beaucoup plus investir. Et voilà, il a levé ses mains vers le haut. Pour dire, dans ce monde-là, il voulait dire, on est dans un monde temporaire. Et c'est ça la phrase que Yaakov dit. Il dit, vous savez pourquoi j'ai réussi à faire le Taher Mitzvot chez Lavan? Parce que pour moi, c'était clair que je suis pas, c'est pas ma maison. C'est vrai que j'ai travaillé un temps plein. C'est vrai que j'ai travaillé des heures sup, des années sup, parce qu'il avait besoin des années supplémentaires pour pouvoir se marier avec Rachel. Mais et sans travail, on n'a pas à manger, on ne peut pas payer les dettes, on ne peut pas payer les prêts qu'on a pris pour acheter les maisons. On a besoin de travailler. Alors on sait que ce n'est pas l'essentiel. Notre lieu de travail, ce n'est pas le but de notre vie. Ça nous permet de donner sens à un côté essentiel de notre vie. Et c'est quoi l'essentiel de notre vie? C'est le Torah, le Mitzvot, c'est être juif, c'est habiter en Eretz Israël, tout cela. C'est ce qui nous donne vraiment la bonne raison d'être nous. Et c'est pour ça que Yaakov dit, « Im lavan garti » chez lui, j'étais seulement un habitant temporaire, « Vetariak mitzvot shamarti » et c'est pour cela que j'ai réussi à garder ma dignité et ma croyance vers HaKadosh Baruch Hu. Et cela correspond tout à fait à l'histoire de Moshe Dan. Et Moshe, c'était quelqu'un qui est venu, il ne voulait pas juste étudier, être ingénieur. Il voulait être quelqu'un qui est branché à Eret Israël, à Torah Israël, à Am Israël. Et c'est ça qui a fait de Moshe Moshe, et pas quelqu'un d'autre. Et quand il est arrivé à un degré tellement haut, c'est pas moi qui peux interpréter les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Une chose est sûre, qu'il est dans un grade très très élevé, qu'il a été Moser Nafsho, Al-Kiddush Hashem. Et Bezrat Hashem, que ce mot-là va être les Ilui Nishmato. Et aussi, ils vont donner des forces à tous ses amis qui étaient là-bas ce soir-là et qu'ils ont encore le corps blessé physiquement et spirituellement de cet événement. Et comme on peut voir dans les yeux de Rudy, qui vit encore la chose. Et que Bezrat Hashem, on va avoir que des bonnes nouvelles et que cette dignité va rester en nous et par la force de Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et voilà, Yoad Varim et Lunish Mator, chez Moshe Michael Dan, chez Mikom Damon. Eh bien, merci beaucoup, Rav Shraga Dan. Merci beaucoup, Rudy Garcin, d'avoir témoigné aujourd'hui à la mémoire de Moshe Michael Dan Zichrono Livracha, qui a été assassiné dans ce triple attentat au début du mois de décembre 2001, donc au cœur de la seconde intifada. Je rappelle, donc, comme vous nous l'avez dit, Rav Dahan, que demain soir donc, se déroulera au Machon Lev à 20h une soirée à la mémoire de Moshe Michael Dahan où on parlera de Torah et de technologie au Machon Lev dont il était l'élève. Merci encore une fois d'avoir accepté de témoigner ce matin et à bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.